Un super parcours, là, j'ai bien aimé. Vallonné, avec pas mal de virages. Je pense pour la victoire, à moi une grosse surprise, c'est plus ou moins râpé. On est parti avec le leader du tour, Emmanuel Latyon, les deux en tête. Je me sentais un peu plus rapide sur le plat, donc j'ai fait le trou avant que les difficultés commencent. Je suis venu seulement faire cette étape parce que je suis en train de préparer les Coupes du Monde de montagne. Et donc je vais un peu lever le pied au niveau compétition ces prochains temps et pour être en forme cet été. Alors ça m'a été. Au début on est parti super vite avec Pierre. J'ai trouvé qu'il est parti même très très vite. Après le parcours est assez casse-pattes, alors je me suis fait un peu avoir avec ses montées des fois. Alors l'objectif, c'est la prochaine étape, c'est les 10 kills. J'aimerais bien faire un super chrono et puis prendre encore un peu d'avance pour pouvoir gérer un peu sur la fin si c'est possible. Pour la vie.